J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon bullet journal pour le mois de mars. Donc, vous voyez la première page où j'aime bien noter une phrase de motivation ici, la seule limite, c'est toi. Et c'est une vue d'ensemble sur le mois de mars pour que je puisse noter tout ce que je sais en avance, des choses que j'ai à faire, des rendez-vous, etc. Et sur la droite, j'aime bien noter aussi les objectifs du mois pour que je puisse m'organiser. Comme le mois de mars commençait un jeudi, ma première weeklog, c'est également ma dernière weeklog du mois de février. Donc voilà, elle est juste avant ma vue d'ensemble et j'aime bien noter toujours mes petits moments de bonheur. Ici, ma fille qui me dit « je t'aime ». Donc voilà la weeklog officielle première du 5 au 11 mars, donc là qui est encore vide, où je note en haut les jours de la semaine et je marque les rendez-vous et tout ce que je veux faire. Et également, j'ai ma liste de courses, les objectifs de la semaine et les moments de bonheur parce que c'est important de rester positive. Ensuite, c'est mon suivi des tâches quotidiennes. Donc, il y a toute la partie ménage, mais aussi voilà, prendre soin de soi, la méditation, l'écriture, YouTube, pour me souvenir de tout ce que je veux faire dans une journée. Ensuite, j'ai refait la page Boost de quotidien, mais différente de celle du mois de février parce que celle-ci est spéciale pour les enfants. Donc, il y a des séances chatouilles, bataille de coussins, balade en famille. J'avais vraiment envie de mettre l'accent en fait sur quoi faire avec les enfants et me booster à avoir des activités avec eux. Vient une nouvelle page qui est celle des dépenses où je note la date et ce que j'ai acheté. Et également, je me suis fait un petit challenge où j'ai noté tous les jours du mois et à chaque fois que je ne dépense pas dans cette journée, je colorie la case. Je pense que c'est un challenge qui va plaire à mon homme. De nouveau, une nouvelle page pour moi où je vais essayer de planifier les repas, que ce soit le déjeuner et le dîner, pour chaque jour de la semaine parce que je pense que ça va m'éviter de trop cogiter et une fois que c'est réglé, j'aurai plus besoin d'y penser. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis bye bye.